empereur en Allemagne qui t'a appuyé décision ça que Martin Luther t'y prend. Mais Martin Luther t'a pris le travail pour le permettre que l'idéologie que t'a gagné t'es pas seulement resté dans tête li, mais pour te permettre en pile l'autre monde considérer la Bible comme unique livre plus capable d'utiliser pour salut. Mais ça t'a pas créé un pile problème parce que l'État fait un pile effort pour tout paysan où t'es joué une Bible là parce que à l'époque non seulement Bible était en latin, paysan pas qu'à comprendre rien les prêtres à parler. Mais Martin Luther pour sa part l'État fait un pile effort pour permettre que paysan où t'es arrivé joué une Bible là et c'est ça qui t'a pas créé une guerre entre les paysans et les prêtres. Et dans une telle lutte t'as pas gagné quelques princes si t'as dû citer Jean Ier de Saxe. C'est un prince qui était marché dans la logique et Martin Luther là. Mais pendant problème ça t'est venu créer entre Dieu et paysans et prêtres, maintenant, monsieur t'est réuni, prince, yo t'est réuni puis yo sorti une loi. Yo dit que yo pas un problème, yo pas accepter que prince qui d'accord avec Martin Luther a observé ça Martin Luther dit yo, prince qui pas d'accord tout dans royaume pa yo, dans zone pa yo, il a prêté suivre l'église catholique. Et puisque décision ça t'est prend à l'insu de Charles Quint, un jeune homme, un empereur qui te supportait Martin Luther dans la décision par là, puisque Prince prend une décision ça nan, à l'insu de Monsieur Sahar, Monsieur Sahar lui prend détermination pour éradiquer, pour couper loi ça Monsieur te prend parce qu'il prend sans lui-même en avril 1529, il dit barre ça nous dit pas réalisé. Et Prince qui te prend décision pour suivre Martin Luther, yo signé un papier et yo relé Monsieur Sahar protestant, protestant, et dans un moment, l'idée veut dire exprimer avec certitude que la Bible est vraie, ou bien encore promettre avec force que Bible a c'est vérité. Donc, frère, somme, de pourtant de ou dit, yo dit ou c'est protestant, ce qui veut dire son monde qui croit avec certitude, avec force que parole bon Dieu a, les certaines et véritables. Mais pendant que nous avons parlé de protestants, c'est pas seulement adventiste qui est protestant, parce qu'il y a un pile l'autre secte religieuse aussi qui c'est protestant. Mais ça qui fait différence là, c'est pas seulement la Bible qui veut dire c'est protestant, c'est pas seulement ça qui est important. Mais est-ce qu'on croit dans la parole là? Est-ce qu'on croit dans la plénitude de cette parole? Et c'est là, adventiste, l'antigenre, parce que nous-mêmes nous croyons dans la plénitude de cette parole. Donc c'est là l'introduction de la leçon. Maintenant, première leçon que nous avons étudiée pendant la semaine, ça, qui parlait de l'unicité de la Bible, nous parlons elle sous environ quatre angles. Dans le premier angle, nous parlons là, nous parlons de l'historicité de la Bible. Dans le deuxième angle, nous parlons de trois raisons fondamentales qui prouvent clair que la Bible est unique. Première raison, c'est parce que la Bible est source de vie. Nous sommes d'accord que la Bible est unique, c'est seul livre comme ça, parce que c'est seulement dans le livre ça qu'on est capable de joindre la vie. Et deuxième raison que nous voyons aussi qui permettent que nous sommes d'accord que la Bible est un livre qui est unique, c'est parce que, raison à formuler ainsi, elle renferme le plan de la rédemption. Par contre, l'autre livre encore qui est bien détaillé, plan ça. Et dernière raison que nous apprenons pour nous d'accord que Bible c'est un livre qui est unique et l'y formuler ainsi, elle a une capacité transformatrice. Pas un livre qui a transformé autant de Moïse qu'on a Moïse qui est en le monde et la volonté de l'âme. Alors ça, testament. Dernière volonté, ça qui ça l'était. Mais c'est Moïse qui t'a parlé avec enfant Israël pour le dire à clair que parole bon Dieu a. Plus précisément la Torah, alors Torah que nous capables les Pentateuques, c'est les cinq livres que Moïse t'a écrit, il dit peuple là, si tout bon vrai nous t'a remis vie nous prolonger, eh bien non seulement nous devons étudier parole ça, mais nous devons permettre à toute petite nous de génération en génération pour nous capables étudier parole ça, capable vivre c'est pour l'Ancien Testament. Et pour le Nouveau Testament, Bible a encore présenté comme un livre qui est capable bailler la vie. Si nous avons un coup de pied exactement dans Apocalypse 12, ou dans Apocalypse, nous sommes capables de voir ça clair. Côté parole, bon Dieu dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.
persévérance des saints. Alors, c'est nous, ici, ne pas veut dire que c'est monde qui sans péché, agios. C'est monde qui mettait à part pour servir bon Dieu. Et mais monde ça yo qui garde commandement bon Dieu, qui gagne la foi de Jésus, et mais monde ça yo gagne la vie éternelle captain. D'ailleurs, Jésus te dit dans parole li, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Moi pour aller, moi pour aller préparer une place et m'a vienne chercher. De sorte que monde qui gagne la foi de Jésus et mais qui garde commandement, il a besoin la vie pas jamais finir. Et nous te faisons une petite différence pour nous te dire clair et il y a monde qui compte entendez ça, la foi de Jésus et la foi en Jésus. La foi en Jésus, c'est pas que bon la vie, c'est la foi en Jésus. Ou quoi dans ça? Mais la foi de Jésus, que le son en lui invite à gagner, la foi de Jésus, c'est croyance, c'est obéissance que Jésus te gagne à papal pendant que tu es venu dans la ville pour moi-même, pour moi-même. Il était fidèle jusqu'au bout pour que le plan capable accompli. Donc, les nous disons, si tu es fidèle jusqu'au bout à sauver, ou si vous avez la foi de Jésus ou sauver, c'est la persévérance de Jésus. Et nous aussi nous dit que Bible en plus de une source de vie liée comme qui prouve que li unique, nous dit aussi que Bible li renferme le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption, c'est seulement Bible qui bien détaille exactement ce qu'est le plan de la rédemption. Maintenant, si nous voulons bien expliquer le plan de la rédemption, nous avons deux zèles. Nous avons un zèle prophétique et nous avons un zèle historique. Dans le zèle prophétique, là, nous avons clair comment, depuis l'Ancien Testament, Bible a été annoncé venu Jésus. Et si nous avons allé dans Esaïe, dans 53, par exemple, versets 3 à 7, si nous avons entré dans Daniel 9, 24, 27, qui parle de côté que Jésus pourra le faire cesser les sacrifices, dans Esaïe, il montre nous à clair côté que Jésus pourra le prendre tout châtiment, tout fardeau nous sous dol. Maintenant, c'est dans le plan de la rédemption, nous dans zèle prophétique là. Il a annoncé ça à Jésus pour le faire. Comment le faire cesser les sacrifices? Rien que pour le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption, son balataire que nous connaissons très bien. Ce qui veut dire, c'est le plan que bon Dieu fait pour être capable de sauver l'humanité. Dans l'autre zèle là, qui c'est le plan historique, dans l'Ancien Testament, pas seulement dit baraïo, mais il a réalisé exactement. Parce que nous avons assisté à venu Jésus, li fait, li grandit, li mourit et li ressuscité. En plus, le monde était témoin de ça. Il y a des gens qui étaient well. Si nous avons un exemple, Marie de Magdala, Marie mère de Jésus, les disciples sur la route d'Emmaüs, ils étaient well Jésus. Ce qui veut dire, ça n'a pas dit, le plan de la rédemption que la Bible a bien détaillé, d'ailleurs qui fait unique en son genre, ce n'est pas un barrage imbattable. Tout le monde te connaît, yo te là, yo te wè sa k te passé a. Alors apôtre Paul le connaît, il toujours mette bon petit piment pour rendre baraio bien bon en bouche nous. Il dit si on moun ou pas croit nan la mort ak résurrection Jésus ou pas même besoin prêcher l'évangile, foi là c'est une foi qui vaine. Et ce qui veut dire frèm, sèm ou même k ap gade m nan moment ça, k ap suive moi. Ou pas besoin inquiéter ou de tout ce qui est dans l'entourage, de tout ce qui a fait et créé la peur dans le cœur. Si Jésus ou a servi, il a été fait, il a mouru, il a ressuscité, sous quoi dans tout le monde, ou il a raison pour capable croire, il a un jour, il a venu, et il n'a pas venu pour le venir garder ou danger, il n'a pas venu pour le venir parler mal, il a venu pour aller avec dans le ciel. Côté le problème est non pays qui pas bien coronavirus, pas bien diabète, pas bien question confinement, vous comprenez? Donc son vie pas jamais fini. Ce qui veut dire ou appeler pour capable croire non seulement dans venu Jésus déjà, il fait il mourir, il ressuscité, mais aussi second retour li pour le venir chercher. Maintenant, dernière phase que nous a considéré dans unicité de la Bible. Troisième et dernière raison qui permet que nous considérer que la Bible est unique, c'est nous dit que la Bible a une capacité transformatrice. Et nous avons exactement considéré un petit coup d'histoire. C'est histoire ça a remonté en 621. Nous parlons d'un temps Josias, qui était à l'époque environ 25 ans, qui est un grand prêtre, qui était joué dans un livre. Exactement.
li jwen liv la, dan li media li pote l bal bay Josias. E le Josias komanse li liv sa, li wè nan liv sa, tout volonté bon Dieu, tout sa bon Dieu vle pou pep li ya. Alors que nan mouman, Josias tap suiv ansyen paran li otan kou Manase, Amon ki te tellement abservi ve Dieu baral, Dieu ki a passé non bon Dieu en bapye, le Josias wè, ki avantage ki genyen, le moun rete fidèl avèk parol bon Dieu, a, Josias di, pa gen ni di, mwen mèm, mwen pren determinasyon avèk tout wayom mwen pou nou kapab rete fidèl a parol sa. E, parol sa ke Josias te jwen nan, te transforme non seulement le vil, e osi entourage li, tout moun ki te nan entourage li, poukwa pa wayom ni. Frèm, Sèm, mwen gen ti kesyon pou ou. Ou menm ki se adventiste du 7e jou, ki byen range kò pou ap gade m la. Mètnan, Deuxième connaissance que nous téléspectateurs, chers amis, nous sentons Dieu parole parce que nous avons des paroles. Il était seulement pour capable partager parole ça à amis ou à famille pour nous capable gagner la vie éternelle. Nous arrivons dans fin programme non? Nous t'es et avec nous pour nous être capable de présenter nous programme école sabbat pour te servir ou c'était serviteur Otniel Sévère nous te gagné Sera Emilio pasteur Angelin Étienne et madame Niva pour te assurer chanter avant nous passer dans ministère personnel n'a pas chanté et travaillons tous pour notre maître avec ce Niva et mon fils nous souhaitons passer un bon sabbat avec Jésus. Différents médias sociaux. Nous disons bonjour et nous avons un moment côté nous pour aller ensemble motiver vous concernant l'évangélisation. Si peut-être nous sommes dans l'enceinte de l'église là, ou bien dans le temple là, nous avons demandé nous aujourd'hui à ce qui sabbat, nous avons dit premier sabbat, nous avons dit qui consacré à qui ça, nous avons dit l'évangélisation. C'est peut-être ça dans 10 minutes missionnaires nous pour aujourd'hui. Nous pourrons aller gagner un entretien qui pourra baser sur le thème le discipula et la mission. Le discipula et la mission. Fidèle auditeur, il est important pour me dire que depuis le commencement, bon Dieu t'a gagné un seul rêve. Il t'a gagné un seul rêve. Et rêve là, c'était pour te voir toute la famille humaine
réuni en dans la caille. Pour voir toute la famille humaine réunie en dans la caille. Et lorsque gagnons un truc qui pral surgir à savoir le péché qui pral apparemment changer donner choses yo, changer bagaille yo. Ça pas empêcher bon Dieu mettre sous place toutes les ressources nécessaires pour capable mener à bien projet que te gagné au départ qui c'était réunir toute la famille humaine dans sa maison. Et ça fait nous voyons bon Dieu qui soucieux. Yon bon Dieu à travers la Bible encore à travers l'histoire qui a cherché l'homme. Non seulement l'a cherché mais il gagne un dessein pour lui et dessein c'est sauver. C'est peut-être ça bon Dieu lui-même lui inscrit tête lui dans liste missionnaire yo. On considérait le premier appel missionnaire lancé dans le livre de Genèse lorsque Dieu disait Adam, où es-tu? Et lorsque fin relé Adam après que le fin détourné de la bonne voie, ça pas empêché que bon Dieu continue à travers la Bible chercher l'homme. Li voyait Noé avec un message de salut alors que une sentence de déluge était déjà prononcée sous monde là. Li voyait Joseph en captivité dans la cour royale pour capable faire réservation pour peuple yon. Li voyait Moïse vers un régime qui oppressif que Pharaon t'a dirigé pour capable faire sonner les cloches de la liberté. Li voyait les anges à Sodome pour capable faire au connaît à Sila qui voulait que pral gagnon destruction qui pral abattre. Et également li voyait Jonas à Ninive pour dire que encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et à travers toute la Bible, bon Dieu continue à voyer ses prophètes à travers la terre entière vers son peuple pour la dire venez, venez, m'a cherché nous. Parce que c'est l'heure de la réconciliation. Et au moment opportun, alors que les Israélites étaient sous le joug romain, il a envoyé son fils unique, à savoir Jésus-Christ, pour capable porter la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle. Et aujourd'hui encore, bon Dieu, l'a soucié de chaque être humain, particulièrement de Silao qui peut entrer dans la bergerie. Je dis encore, bon Dieu, à chercher des hommes et des femmes pour capable faire des porteurs d'une bonne nouvelle. Non, porteurs de la bonne nouvelle, porteurs de l'évangile. Je dis à monde là aux abois. Nous avons remarqué que même les plus grandes puissances de ce monde ou bien de la terre sont faibles. C'est triste. Des milliers de gens à mourir, que ce soit du cancer, du diabète ou particulièrement du corona. Et ça qui est triste encore, c'est que il y a pile monde qui a mouru sans Jésus. Et je dis encore, alors que le monde là, il est chaotique, il y a un appel qui était déjà fait dans le livre d'Ésaïe, se réitère, qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Si peut-être Jésus était là, il t'a dit, comme il l'avait déjà dit, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'administrateurs, beaucoup d'anciens, beaucoup de laïcs, de théologiens. Il y a beaucoup de dirigeants, beaucoup de membres d'église, beaucoup d'adventistes, mais hélas, très peu de disciples. Parce que disciple là, il est écarté de conversion. Celui qui est converti est différent du disciple. Parce que conversion, c'est passer d'un ensemble de valeurs, de croyances à un autre ensemble. Mais qui est le disciple? Le disciple, c'est celui-là qui pourra aller vers l'homme de la croix. Et puis il pourra dire, Jésus, je pas en rien. Et je suis prêt pour me renoncer à toute bagaille. Je veux grâce avec miséricorde chaque jour dans la vie. Et avec aide, je désire et je veux changer. Et je veux charger de quoi que je veux moi. Et automatiquement, le fin dit Jésus ça, il courit. Là, le côté l'autre. Là, il dit, vini. M'venyon neg. M'venyon homme. L'homme de la croix. Ça le fait pour moi. Il a fait pour vous. Chers et frères dans la foi, aimable auditeur, fidèle internaute, Maranatha. On nous dit à tout le monde, Maranatha. Jésus revient bientôt. On nous pas quitter souci la vie à ce qui a passé tout autour de nous-mêmes. Fait nous perdre de vue mission que nous gagnons sous tes ça. En nous songer chaque seconde
que nous sommes des missionnaires. Et notre mission, c'est de dire au monde, Maranatha, ou encore Jésus revient bientôt. Son mission qui caractérisait sens la vie chaque chrétien. Elle dit l'autre que Jésus remet yo. Parce que tel est le rêve de Dieu depuis le commencement. Réunir la grande famille humaine dans sa maison. Qui partition, vous jouez déjà. Peut-être que vous avez dit, mais nous sommes confinés. J'ai pu constater que le mot confinement n'est pas nouveau. Dans quel sens? C'est parce que moi remarqué, nous-mêmes en tant que chrétiens, moi dans l'eau, que nous étions déjà confinés l'évangile. L'évangile était déjà en confinement parce que déjà avant le corona, nous ne voulions pas partager l'évangile. Et ça fait aujourd'hui, alors que nous sommes confinés à la maison, Dieu lance encore un appel à tous les chrétiens, ou encore à tous les disciples, à tous ses disciples. Et j'ai pu aussi constater que, en moyenne, moi recevoir 5 messages qui parlaient de corona. Et je me suis dit, et si nous faisons même bagaille là? Chaque grand monde qui a utilisé les médias sociaux ou bien l'internet, je ne sais pas trop. Et puis, je te recevoir en moyenne 5 messages qui rappelaient que le jugement est proche. Qui rappelaient que Jésus les aime. Qui rappelaient que Jésus revient bientôt. Et dans Matthieu 28, soit les derniers versets, le maître a dit à ses disciples, et nous dit encore aujourd'hui, en allant partout, faisons de nos parents, nos voisins, nos proches, nos collègues, nos amis, nos employés, sans oublier les sans-abri, les démunis, les orphelins, les rejetés de la société, les hors-la-loi. Faisons de tout le monde des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Et surtout, n'oubliez pas l'enseignement. Chers frères dans la foi, aimables auditeurs, fidèles internautes, Maranatha, soyons prêts. Que le Seigneur vous bénisse. Chante au numéro 292, Jésus, mon espérance.
Espérance au milieu du chaos. À partir samedi qui a 28 mars 2020, chaque samedi matin 9h et sorti dimanche pour arriver vendredi 5h dans l'après-midi. Monde l'en bouleversé, tout le monde peur. Et tout le monde dépassé, le passion, espace qui ouvrit pour que dans parole bon Dieu, nous trouvions raison pour nous vivre. Participer chaque jour et invitez les amis à participer avec vous. Pas rater un jour, pas rater une heure, pas rater une seconde. Dans le programme rempli, ça qui peut offrir à vous la bonne pour vous. Du 28 mars au 18 avril 2020, de 5h à 6h30 p.m. Le thème retenu, espérance au milieu du chaos. Ou pas pour regrette. Jésus-Christ nous appelle aux saints combats de la foi.
Séjour du Dieu d'amour, le grand grand de tempête au séjour du Dieu d'amour.
parmi ces saisons, nous avons l'hiver. Peut-être que nous sommes en train de faire face à l'hiver de notre vie. Aussi, au numéro 517, je chanterai ton grand amour, l'hiver, cet amour est éternel. Si... Servi bon Dieu. Monde l'en bouleversé, tout monde peut. Pendant nous rester la caille nous et dans l'idée pour permettre de rester toujours connecté avec Seigneur, c'est un espace pour trouver une raison pour vivre. N'a invité à suivre Radio Voix d'Espérance 89.3
avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi. Il tient sous la main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a fait. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur. Béni au nom de Jésus. J'entends au numéro 17. Il a parlé, c'est que je révèle. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité, toi, éternel, se lève sur toi. Les nations marchent à ta lumière,
et des rois à la clarté. La lumière et les rois marchent toi à la clarté. Amen. Pour m'arriver côté Yéhoutéa, nous invitons les rois de New York, nous pour la Bible. Papa, nous qui l'avons matin avec nos cœurs, rempli nos mains et nos pouces, dans la vie, c'est dans la vie. C'est pas de l'amour, c'est pas de la vie. Nous voulons dire, même Jean à Salmiste, là, que nous sommes capables de bénir l'Éternel. Que tout ça qui n'en nous capable de bénir non l'Éternel. Oui, l'Éternel en chemin, pour nous déporter nous, comme la prunelle de tes yeux, et nous dit que nous sommes capables de glorifier d'éternité en éternité. Et en ce matin, nous venons avec nos fardeaux, nos problèmes, nous venons déposer au lampier. Nous voulons tout d'abord demander pardon pour péché nous, pour faute nous, parce que nous reconnaissons que nous faisons un pile bagaille qui n'est pas bon devant Dieu. Dans le matin, ça, Seigneur, nous demandons pour laver nous, pour purifier nous dans le sang précieux de Jésus et aider nous. Seigneur, pour que nous capables guidés par cet esprit roux et comme ça nous va faire différence en ça qui bien et ça qui mal et nous va prend position pour nous faire ça qui est bien dans la vie, non. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous venons avec problème nous. Nous vivons un moment et particulier à travers le monde et à travers Haïti, côté tout le monde obligé de rester la Kayo et mon qui va pile peur dans moment ça Seigneur que n'a mandé pour pas gè contrôle situation ça la peur et permettre que nous sommes capables de mettre plus confiance en nous-mêmes, car c'est vous qui dites la parole, croire pour nous manger, tandis que nous n'avons pas d'activité que nous sommes capables de réaliser. Gampir, ça qui est en difficulté, ou même qui sonde les cœurs et les reins, n'a mando passer visiter yo et porter une solution qui a vienne nous ça qui capable transformer les choses mais ça homme de guerre droit de suite de leur vie pendant jamais yo il a choisi la route du ciel mais de l'enfer c'est montrant a été touché par le pouvoir du baptême on recueillir les persécutions de chant par le groupe à toujours prier pour ce. Mais juste avant, nous prions le Seigneur. Nos âmes te louent et te bénissent, ô Dieu, notre Père céleste. Dei béni tous ceux-là qui ont travailler au cours de cette semaine qui ont béni cette portion apportée à ton trésor. Permets qu'elle fasse un travail efficient pour l'avancement de ta
cause. Bénis ceux-là qui n'ont rien à apporter aujourd'hui. Permets que malgré les temps, difficiles de perte d'emploi, que tes enfants puissent tout. C-H-R-E-T-E-N, les petits sont aussi chrétiens. C-H-R-E-T-E-N, les petits sont aussi chrétiens. Jésus disait à ses disciples, laissez venir à moi les petits enfants. Je Salutations aux enfants qui nous écoutent en cet instant. Alors, chers enfants de partout, chanter ça, dis-nous, c'est moment pas nous. C'est le coin des enfants. Et le titre de notre entretien, c'est Un trésor méprisé. Un trésor méprisé. Te gagne un roi qui était toujours déguisé en mendiant pour te ka bien comprendre comment moun nan royaume ni yo a vive. Et on l'a pendant li te mette habit de mendiant sou li, li rencontre yon dame kap mande charité. Elle te gon Bible en main, li fait dame nan cadeau Bible la. Quelque temps, li changer style, li entourner avec ministre yo dame nan même côté a toujours à en cuir la main à demander charité. Elle dit dame nan, côté bib mo te ba ou a. Dame nan dit bib ou te ban mi yon bib, mettez la kay moi. M'ba même l'ouvri. Et ça te gen nan bib la chers enfants. Bible a te gon papier, on note qui te dit. Pour moun sa qui recevoir Bible la, pour le vin vivre nan palais, pour le capable joindre tout bagay pour entretien li. Belle rad, belle soulier pour le bien manger. Malheureusement, Bible a pas de gens mauvais et dame nan te rete pauvre. Ah ben c'est même gens pour nous-mêmes. Nous avons un trésor en main. Un trésor de grande valeur. Nous connaissons un trésor, son objet de valeur, que nous avons en pile attention. Et même nous-mêmes, nous remons en pile, nous avons dit, tu es mon trésor. Eh bien, dame ça, tu as perdu l'opportunité pour vivre dans le palais. Ça. Bon Dieu, bah nous la Bible. Comme le plus merveilleux des trésors, qui est parole qui est capable de changer la vie nous, qui est parole qui est capable d'aider nous dans le moment confinement ça, pour nous capable de jouer la paix du cœur. Mais à pile de fois, nous faisons même Jadam ça, nous mettons trésor ça de côté. Et David dit nous, au psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je dis à m'inviter nous chaque pour nous faire parole ça comme un trésor. Pas pour nous garder, serrer le long tiroir, mais pour nous capables d'ouvrir, partager avec les amis nous. Même si nous sommes en confinement, nous pouvons utiliser la technologie pour nous capables de voir des conseils,
pour nous capables voyer des mots de paix, nous capables voyer des mots qui capables aider l'autre petit monde qui pas connaît bon Dieu vienne joindre bon Dieu. Donc nous souhaiter que nous capables mettre petit conseil ça yo en pratique que bon Dieu capable bénir nous. N'a fermé les yeux nous pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous disons merci pour conseil sorte voyer pour petit monde les agneaux du troupeau. Ou rappelez-vous que parole là sont trésor, un trésor de grande valeur, un trésor qui méritait pour nous capable fouiller li, un trésor pour nous qui méritait pour nous capable partager à tout le petit monde qui beaucoup connaît. Nous mande ou capable aider yo en ce sens et que yo capable vraiment fait parole ça, yon trésor dans la vie. Nous prions comme ça. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Espérance au milieu du chaos. Lisez un impératif pour nous obéir à l'autorité. Lisez une obligation tout pour nous continuer à servir bon Dieu. Monde bouleversé, tout le monde peut. Pendant nous rester la caille nous, et dans l'idée pour permettre de rester toujours connecté avec Seigneur, c'est un espace qui ouvre pour que dans la parole bon Dieu, nous trouvions raison pour une vie. Nous invitons à suivre Radio Voix d'Espérance. 89.7 YouTube Radio Voix d'Espérance 4VVE ak sou image.org Op Media Haïti. Rete branché pou nan mou ka béni. Du 28 mars au 18 avril 2020 de 5h à 6h. Bénissons le nom du Seigneur. Cette grande église à travers le...
partout dans le monde entier, à travers le monde entier, qui attendent sous radio Voix de l'Espérance, avec plusieurs fréquences sous pays, sous radio Espace 94.1, sous télévision Espace chaîne 34, sous plusieurs pages Facebook, sous Op Media, sous MUDH, nous avons possibilité ensemble pour nous capables d'adorer le Seigneur. L'hyper permet nous passer une bonne semaine. Et le fait que nous là, nous avons envie, c'est déjà une occasion pour nous dire que nos bons dieux capables de nous. Jodi a, c'est privilège par nous pour nous réfléchir sur ce qui a passé autour de nous. Et regarder qui meilleure leçon que nous sommes capables de tirer. Parce que le fait que nous en vie, c'est un privilège particulier. Moi content ce jour pour me capable réfléchir avec nous autour de ce thème. Il est temps de sortir de ta quarantaine spirituelle. Il est temps de sortir de ta quarantaine spirituelle. En lisant Genèse chapitre 1, il est dit: Dieu nous a créés et à son image. Et à ça, quand on nous regarde, les créatures, l'obscurité, le peuple, le chaos. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Israël, t'es doué, yon lumière pour le Seigneur. Yon lumière dans mitan chaos, yon lumière en mettant situation difficile, justement pour dire, quand on est au contact avec Dieu, on fait. Nous comprenons que la réalité pas nous, il y a un pile raison qui est capable de mettre à côté de notre mission et faire vivre une quarantaine spirituelle. Sœurs, chers amis, est temps, bien-aimés, même qui a regardé dans la télévision ou même qui a écouté dans la radio, il est temps pour nous chercher à comprendre le sens de la quarantaine spirituelle. Et demander à bon Dieu pour l'aider à sortir de cette quarantaine. Et puisque l'Esprit de Dieu est capable d'identifier la réalité, non, acceptons ces orientations pour nous capables de sortir nous, de cette quarantaine spirituelle. Mais la question la plus importante en ce jour, comment nous sommes capables de comprendre la quarantaine spirituelle et sortir la donne? Qui ça qui est capable de mettre dans la situation pour une vraie réalité, non? Et dans la vie de l'Église, nous allons identifier dans ce message 5 types de quarantaine spirituelle et qui façon que nous sommes capables de sortir dans la quarantaine. Et ma première considération, c'est que cette quarantaine spirituelle est capable d'expliquer par le fait qu'on devient un prisonnier d'un esprit de culpabilité. On devient prisonnier d'un esprit de culpabilité. Et dans l'évangile de Jean, nous avons un exemple puissant au chapitre 4. Jésus, dans la mi-temps journée, a trouvé le bayon puits. Il était besoin de l'eau pour le bret. Et là, dans sa contrée, à midi, ce n'est pas le meilleur moment que moun pral nan de l'eau. Parce que le soleil a été chaud. Et c'est à ce moment qu'une femme est arrivée et est venue pour le chercher de l'eau. À midi, pour le capable fuir les regards. À midi, pour éviter le contact avec la société. À midi pour être seule au puits, parce qu'elle portait le poids de la culpabilité.
Et c'est quand Jésus l'a rencontré, Jésus va souligner les éléments obscurs de sa vie. Quand Jésus a demandé à la femme, après une longue conversation, d'aller chercher son mari, elle a dit à Jésus, même pas gagné. Et à Jésus de dire, vous passez cinq déjà, et dernier à pas pour. Nous capables d'imaginer, c'est ça qui t'a empêché que dame ça, t'es capable de sentir la laisse venir dans puis à 6 heures du matin, parce qu'il y a trop de monde. Elle portait le poids de la culpabilité, était tout simplement prisonnière. Quand on vit avec un sentiment de culpabilité, on a honte de soi et on mettait dans une situation de suicide spirituel. On se croit inutile. Qui ça m'a fait l'église là? C'est un monde que la ville finit déjà. Pas qu'un espoir pour moi. Il y a tant de mauvais souvenirs. À chaque fois que je peux monter sous chez ça, je me rappelle ce qui s'est passé il y a 2 ans de cela. Il y a un péché non confessé. Il y a un bagage que je me suis fait. Je me suis senti bon Dieu pour que je pardonne. Même pas chercher pardon ça. Je vis avec un esprit de culpabilité. À partir de ce moment, je suis en quarantaine spirituellement. On se voit comme un traître. Tout le monde voit comme le frère le plus fervent de l'église, la sœur la plus ponctuelle dans le temps. Mais il y a un problème qui se pose. On est coupable, il n'y a pas moyen de faire ce qu'on veut. Et là, la situation est difficile. Où c'est prisonnier de la culpabilité. Et la meilleure façon pour que la Samaritaine te sorti, c'était seulement une rencontre avec Jésus. Et elle a rencontré avec Jésus. Et toute bagarre était changée. Moi-même avec vous, bien-aimés frères et sœurs, amis, auditeurs, téléspectateurs, nous besoin d'un diagnostic de Jésus aujourd'hui pour nous sortir de quarantaine ça qui provoqué par esprit de culpabilité. Et là, dans Jean chapitre 4, une fois que la femme lui sortit de sa rencontre avec Jésus, elle devient non pas cette fois un coupable, mais elle vient un évangéliste. Il est parti sans de l'eau et il est entré dans sa ville pour dire à tout le monde qu'elle a rencontré le Messie et Jésus a changé sa vie. Ou même je dis à qui c'est un prisonnier spirituel à cause de l'esprit de culpabilité, si ou en quarantaine à cause de l'esprit de culpabilité, je vous invite à rencontrer Jésus et à sortir de cette quarantaine. Et la deuxième considération, la deuxième quarantaine spirituelle, c'est prisonnier des accusations de Satan. Je vous invite à lire avec moi Zacharie chapitre 3, le verset 1er. Zacharie chapitre 3, le verset 1er. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et là, je considère Satan comme l'entraîneur malhonnête. C'est comme le coach qui apprend pour bon sort doit faire, mais il connaît très bien que l'a mené dans une situation que le poil fait ou on tête. Je voudrais, en parlant de ce cas, considérer une illustration très familière. Il y avait mon grand frère qui a été piégé par son cousin. Papa me voyait acheter quelque chose en ville. Et il tardait à venir. Mais à ce moment, mon cousin qui connaît que papa m'se moun qui sévère, lui déjà pensait que quelque chose va se passer. Il y allait rencontrer avec frère dans la route qui a venu. Et lui dit, mon cher, tant qu'on fait dehors, c'est sûr que papa tonton m'boit le calo. Et nous imaginons qui ça qui traversait l'autre en écoutant cette parole. Et à ce moment, il dit à Frémenant, moun qui levé en province, capable habitué avec Tif Faisa qui le honte, que moun qu'on prend maintenant poche pour oublier. C'est la tradition pure. Et il dit, mon cher Raché, peut honte maintenant poche parce que ton tombe à le bateau juste pour le cablier. Et qui ça le fait? Li courir al devant, li devant ses Frémenant et li dit papa que Frémenant met ronté dans poche li juste pour oublier pour le bacaler.
Et imaginez lorsque elle arrive, premier ça le fait, fouiller poche pour moi ça gagne là-dedans. Pas besoin d'expliquer le reste, nous connaissons que quelque chose s'est passé. Et c'est ce que Satan fait pour nous. Il nous entraîne dans le mal et il nous accuse pour nous dire que nous ne sommes pas bons. Ou même qui prisonnier des accusations de Satan aujourd'hui. Il y a une voix qui dit où, pour qu'il soit quitté. Il y a une voix qui dit, mais pour depuis on servi, mais pour qui ça c'est aujourd'hui on voulait abandonner. Ça arrivait plusieurs fois que il y a des monde qui pral baptiser, lorsque on pral entrer dans de l'eau, il y a une voix qui a crié qui dit, ou pral quitter vrai moi monde ça on voulait baptiser. Depuis le petit wheel non même, mais qu'on y a voulait prendre. Tu as fait tout cela et tu vas à l'église quand même. Il y a un monde qui a texte ou un message pour dire, mais où songez hier soir t'es avec moi et qu'on y a pris l'église. Où songez qui ça me fait avec vous pendant ce maintenant et qu'on y a pris l'église. Et à partir de ce moment, on a hésité pour connaître est-ce que vraiment c'est où. Est-ce que place s'assembler avec vous et on met tête ou en quarantaine spirituelle. On ne peut pas comprendre que vous avez besoin plutôt détaché de cette réalité. La rencontre avec Jésus nous détache de notre quarantaine et donne un sens à notre vie. Et si je dis à ces prisonniers des accusations de Satan, vous avez un puissant exemple en Zacharie, parce que là, Dieu a défendu sa cause et a dit à Satan, mettez le corps de côté. Pas quitter Satan. Fais-nous une tête, nous. Mais détachez-nous de Satan, rencontrez avec Jésus et nous sortir de cette quarantaine spirituelle. Et la troisième quarantaine spirituelle que je considère, la troisième forme de quarantaine spirituelle, c'est isoler à cause des accusations des frères. Dans Jean chapitre 8, les scribes et les pharisiens ont amené une femme à Jésus avec l'accusation que cette femme était kembel dans l'adultère. Il y a un monde qui fait adultère, c'est un monde marié qui a le couché avec un autre monde. Mais quand on a lu dans l'Ancien Testament, cette question est traitée pour les deux coupables. Mais là, dans le texte, on vient avec un seul coupable. Et là, c'était déjà une anomalie. Mais quand on lit dans verset 6 là encore, il dit que monsieur, ça n'est pas intéressé à protéger ni loi ni personne, mais on voulait piéger Jésus. En sorte que c'était des manipulateurs. Et ils ont fait de la femme un cobaye. Ils ont besoin de piéger Jésus, mais ils ont utilisé une malheureuse et ils ont avili devant tout le monde. Et à partir de ce moment, c'est comme si la vie fit ça pas de bon encore pour faire bouton tant qu'on remet d'il. Mais combien de fois, ou même avec moi, bien-aimés frères et sœurs, nous prenons le temps pour que nous soyons capables de focaliser sur la faute des autres. Pas dans l'idée pour que nous soyons capables de canaliser à Jésus. Mais juste pour nous montrer que nous sommes bons et que c'est plus mal. Nous isoler serviteurs bon Dieu. Tandis que Jésus baille la ville pour pire pécheur. L'église est un espace que nous considérons comme un hôpital. Et qui doit attirer les malades pour capables offrir la guérison. Combien d'entre vous qui attendez aujourd'hui, qui isolé parce que vous avez un frère qui accusé? Parce que vous avez un frère qui dit un bagage sur nous, qui tâche dans donne. Et chaque fois que nous paraissons dans l'espace pour nous rencontrer Jésus, il y a tout simplement cette image qui est devant nous, qui exprime l'idée de notre péché, l'idée de notre mal. Nous ne sommes pas dignes pour entrer dans l'assemblée, ça. Parce que dans cette assemblée, il y a un monde qui est contre la situation, nous, qui est rapporté à l'église là. Et tout le monde prend pour le monde qui n'est pas bon. Nous isolés parce que il y a un monde qui a parlé mal, nous. Et qui cause que nous ne sommes pas capables de jouir de cette communion avec Jésus. Mais tandis que vous regardez, je dis, vous attendez, je voulais dire comme ça, Jésus est intéressé à vous. Et même si tout le monde t'a essayé pour t'a dire que c'est le monde qui n'est pas bon, mais Jésus t'est venu pour te sauver le monde qui n'est pas bon. Et il l'a dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais des
pécheur. Et si quelqu'un croit qu'il faut que tu sois à côté à cause de tes fautes, dis-le que Jésus t'est mouru pour fautes. Yo. Et bien Jésus possibilité pour bien un autre sens à la vie. Et là, je voudrais considérer la quatrième forme de quarantaine spirituelle. C'est quand on se place sur la voie du non-retour. Il y a ce qu'on appelle en anglais les pew sitters, des gardiens de banc. Et en Haïti, nous remédions ces monde qui a chauffé banc. Nous n'avons pas la mesure, nous ne sommes pas juges. Nous pouvons tout simplement parler de un état, mais nous n'avons pas la mesure pour nous dire qui est-ce qui a chauffé banc ou pas. Mais je veux parler du sentiment de gardien de banc. C'est comme un monde qui vient, tant que monde qu'on a dit dans le langage courant, il passe l'église, il vient pour un merci, puis il allait, tout bagaille fini. Il n'y a aucun autre contact avec l'église. Il n'y a aucun autre contact avec la mission. Je viens seulement, l'église commence à 9h, il termine à 11h. Et si toutefois il arrive 11h01, je ramasse le bibou et puis m'aller parce que j'avais rendez-vous seulement pour passer 2 heures de temps à l'église. Après ces 2 heures de temps, il n'y a aucune possibilité pour me faire quelque chose d'autre. Mais qui ça que fait ça? Je ne veux pas généraliser le cas. Mais dans certains cas, c'est une situation de péché qui ne va pas passer. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ou de radier tête. Parce que ou pas digne pour monter chez, ou pas digne pour participer dans les services de l'école du sabbat, ou pas digne pour bénéficier de tout sa gain dans le service de l'église. Là. Et à partir de ce moment, pour qu'il y ait une appartenance, ou présent à chaque fois gagner une réunion. Mais en réalité, en termes de connexion, en termes de vie, en termes de mission, il n'y a rien. Et c'est ce que je considère comme une quarantaine spirituelle qui nous voit nous placer sur la voie du non-retour. Et je parle de la voie du non-retour, c'est parce que on vivait dans une situation que on pas envie d'avancer, vrai, mais on voulait rester confortable avec quarantaine. Non. Il y a bien la scène où pas communier parce qu'on sent tout indigne. Mais il y a un péché qui rend nous indignes qu'on ne peut pas capable quitter. Et là où sous direction de la voie du non retour. Pas de poste à l'église. Tout le monde wow, OK, vous êtes capable de remplir tel rôle à l'église, mais lorsque la commission de nomination les travaille, il dit mon frère m'a remis occuper tel poste, mais on dit non, moi pas capable, pas insister, moi pas travail. Mais là il y a un problème en background que on pas identifié, on pas prêt pour résoudre non plus. Ou peut-être identifier, il n'est pas prêt pour résoudre. Les. Pas de prière. Il n'y a pas de culte de famille. À la maison, on se lève et on va travailler, il n'y a rien de plus. Il n'y a pas de connexion réelle avec Dieu. Et à partir de ce moment, on est en quarantaine spirituellement. Et là, on est sur la voie du non-retour parce que pour éviter la voie du non-retour, il faut avoir le temps de donner au Saint-Esprit la possibilité de nous traverser. Parce que là, si tu continues sur cette voie, vous pourrez tomber dans l'état du péché contre le Saint-Esprit et péché ça que aucun béa, il pourra venir comme le quotidien de ta vie. Et cela, la situation est dangereuse. Le péché devient trop délicieux. Dans Proverbe chapitre 14, verset 12 et 13, nous lisons. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Et la joie peut finir par la détresse. La situation dans laquelle on se sent confortable et qui nous place sur la voie du non-retour nous met en quarantaine spirituelle. Il est temps de changer de priorité pour sortir de ta quarantaine. Et en sortant de ta quarantaine, tu rencontres Jésus et il sait ce qu'il va faire avec toi. Bien-aimés frères et sœurs, la quarantaine spirituelle prend plusieurs formes. Et nous avons déjà considéré 4. La première forme, c'est une quarantaine qui vient à partir de une prison qui est aux Juifs à cause de l'esprit de culpabilité. Ou capable aussi prisonnier des accusations de Satan. Ou capable isolé par l'accusation des frères. Mais ou capable aussi placé sur la voie du non-retour. Et ça tout simplement met en situation spirituelle dangereuse. Et la cinquième forme peut m'accuser. La cinquième forme peut t'accuser, leader, c'est quand Dieu rejette ton service.
Dans Samuel chapitre 16, verset 1er, nous lisons. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. » Saül était encore en fonction. Il était quelqu'un que Dieu avait mis à part avant. C'était le premier roi d'Israël. Et quand pour te choisir, c'est bon Dieu qui te met mes sous lit. Mais il a joué avec ce privilège. Et Dieu l'a rejeté. Et quand Dieu met en quarantaine, la situation devient plus dangereuse. Car Dieu ne se trompe jamais. Laissez-vous que mettre tête ou en quarantaine à cause de l'esprit de culpabilité ou seulement besoin de régler un petit réglage. Al joindre Jésus et puis ça résout ou comprendre tout simplement que ce n'était pas si grave que cela. Laissez Satan qui a accusé, nous connaissons ça, c'est chaque jour, Satan c'est derrière pour le faire nous paraître sale. Laissez l'autre monde, l'église ou bien zami, bon koto, qui a mis en quarantaine, qui a accusé ou connaît qu'on ne peut pas même occuper et faire vivre avec Jésus. Là où tu es sous point de non-retour, ou seulement besoin de dire, ok, ma prends, j'ai causé. Mais là où paraît bon, et que bon Dieu connaît ou pas bon, là ça pose problème et c'est beaucoup plus dangereux. Il est nécessaire que nous tenions compte de vraies motivations. Bon Dieu établit des hommes pour les rejeter ensuite parce que tu voulais aller sans lui. Et c'est là l'exemple de Saül. Et ma question aujourd'hui, bon Dieu, est-ce que la vie coule dans ton leadership? Et je pose la question aussi pour l'Église. Dieu dit, je verrai de toi un royaume de sacrificateurs quand il parla à son peuple. Cela veut dire que quand nous allons dans 1 Pierre 2, verset 9, pour nous dire, vous au contraire, vous êtes une race, élue, un sacerdoce, royale, une nation sainte, un peuple acquis, cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas nous rejeter. Si Dieu a fait de nous un peuple spécial, faut que nous kembe ça le mette dans nous comme capacité, faut que nous kembe ça le mette dans nous comme valeur, mais une fois que nous passons à côté de notre mission, il peut nous vomir de sa bouche, et quand Dieu nous vomit, nous sommes en quarantaine spirituelle, et là je me pose la question, Dieu est-il dans nos services? Est-ce que Dieu prêche avec toi? Est-ce que Dieu prie avec toi? Est-ce que Dieu accepte tes chants? L'offrande que tu apportes à l'église, est-ce que Dieu l'accepte? N'es-tu pas en quarantaine spirituelle à cause du fait que Dieu t'a rejeté? C'est bien le temps de l'examen personnel parce que personne n'est pas capable de jouer avec Dieu. Balaam, divisé peuple là pour avantage, les lagues peuple là nan gagote pour avantage. Akab agit avec faiblesse et quitte Jézabel menel dans désordre. Saül, folie de pouvoir. Les frères de Joseph, la jalousie. Tout ceci pour vous dire que même si bon Dieu met tout de côté, si vous pas vigilant, il est capable grave puis devant. On quitte grâce bon Dieu couvrine. Nous devons satisfaire de sa bon Dieu y est pour nous, mais pas tenir compte de sa l'autre monde y est pour nous. L'aime trop focaliser sur sa l'autre monde y est pour nous, nous capables de voir comme des monde qui en face nous. Et c'était tout simplement le problème de Saül. Il pas focalisé sur son règne en Israël, mais il voit David comme une menace parce qu'une fois on a chanté, David a frappé 10 000 et Saül 1 000. C'est comme si David était 10 fois supérieur à lui. Et à partir de ce moment, il ne se focalisait pas sur la direction du peuple. Mais c'était David le problème. Il faut éliminer David. Et là, Dieu l'a rejeté. Il était plongé de plus en plus dans le chaos. Ne focalisons-nous pas sur les autres. Mais restons avec ce que Dieu nous donne. Parce que nous pouvons devenir indignes de Dieu. Si service nous a rejeté, nous sommes mauvais pente. On nous fait même gens avec Nicodème. On a le joint Jésus avec doctorat nous. On a le joint Jésus avec maîtrise nous. On a le joint Jésus avec consécration pastorale nous. On a le joint Jésus avec consécration diacre nous.
On a joint Jésus avec consécration ancien nous. On a joint Jésus avec congrégation nous. On a joint Jésus avec 10, 15, 20, 25 ans de baptême nous. Et n'a prendre compte l'en sorte rencontrer Jésus. Nous tournons comme un serviteur humble et doux. Parce que nous sommes trop arrogants avec ce que nous avons comme crédit. Nous avons besoin des crédits de Jésus aujourd'hui pour que notre ministère ne soit pas rejeté. Il est temps de sortir de ta quarantaine spirituelle. M'a qu'on a qui sa quarantaine spirituelle ou assemblée aujourd'hui. Hein? Mais la différence avec quarantaine médicale là, c'est que moun ki kwè trop yo en santé, parfois yo nan quarantaine qui peut dur là. Et cette dernière quarantaine, li mette en péril notre vie spirituelle. On ne met pas en quarantaine quelqu'un qui est en santé et qui n'a pas de risque, qui pas en contact avec moun qui malade. Mais nous, dans notre cas, quand on se croit être trop en santé, on est peut-être déjà en quarantaine. Sortir de sa quarantaine implique une réconciliation, bien-aimés frères et sœurs, chers amis. Une réconciliation avec Dieu d'abord. Je me mets dans une bonne position. Une réconciliation avec tête pour reconnaître que ce n'est pas fuir pour fuir, mais c'est affronter pour affronter le problème. Non. Et Jésus a bonne solution. Hein? Réconciliation avec les autres, pour qu'on ait que ou même ou pas capable d'un agent de mise en quarantaine à l'église, mais tout ou pas capable de quitter moun n'ap mette au dehors parce que relation avec bon Dieu c'est quelque chose de personnel. Réconciliation avec la mission, pour poser tête aux questions aujourd'hui à sous utilité. Ou. Et si ou pas un missionnaire pour Dieu, ou comme quelqu'un qui est en quarantaine spirituellement. La bonne nouvelle, bien-aimés frères et sœurs, est que le temps de quarantaine avec Dieu n'est pas scientifique. Le temps de quarantaine, dans le temps, c'était 40 jours pour certains cas, certains contextes. Le temps de quarantaine lié des fois avec le temps d'incubation pour les techniciens médicaux. Mais le temps de quarantaine pour Dieu, c'est maintenant, l'a fini, une fois qu'on a accepté de rencontrer Jésus, et c'est tout. Ta quarantaine prend fin au moment où tu rencontres Jésus. Même dans un temps de quarantaine médicale ou sociale, on peut sortir de sa quarantaine spirituelle. Et lorsque vous sortez de ta quarantaine, vous pourrez comprendre le vrai sens d'une relation authentique avec Dieu. Et on vit transformé. Et on devient homme ou femme de prière. On aime la parole de Dieu. Nous prenons le temps pour étudier la Bible. Nous prenons le temps pour découvrir les promesses de Dieu dans la Bible. Et quand tout le monde a peur, nous-mêmes nous dit, « Maître, entends-tu la tempête ?» Et le refrain dit, Paix vous soit. On n'a pas peur des tempêtes parce que Jésus est là. Parce qu'on sait lire quelque chose de la Bible, la parole de Dieu, pour découvrir que Jésus est toujours là pour ses enfants. C'est la communion fraternelle aussi. Nous vivions avec l'autre, et on a supporté l'autre. Si autour de nous, c'est chien manger chien, mais nous-mêmes qui vivons et qui comprennent que nous devons sortir de notre quarantaine spirituelle, nous comprenons que Jésus t'a dit, tu aimeras ton prochain. Comme toi-même. Et il est allé plus loin pour dire, tu aimeras, je vous invite à vous aimer les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Et quand Jésus nous aime, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie pour nous. Il nous aime, il nous passe avant. Nous sommes sa priorité. Pour qu'il s'approche pas qu'à priorité. Il suffit qu'il accepte de sortir de la quarantaine spirituelle. Bien-aimés frères et sœurs, ou même qui a écouté aujourd'hui, même j'ai avec la femme samaritaine, je voulais lancer un appel ça pour t'ava. Accepter, sortir et venir évangéliste pour le Seigneur. Ou capable de prendre un appareil radio là et utiliser pour le monde dans la caille ou tende. Et il va dire même j'ai avec le monde qui était dans la ville côté femme samaritaine dans sorti. Ce n'est pas où je crois, mais je tende la parole là quelque part. Et je crois c'est la vérité. Ou capable de dire chaque monde entre 5h et 6h30 chaque après-midi. Vous êtes capable de brancher sur les réseaux sociaux. Vous êtes capable de brancher sur Radio Espérance, Radio Espace. Vous êtes capable de tendre le message de la parole de Dieu. C'est tout simplement parce qu'on t'a choisi de sortir de ta quarantaine spirituelle. Les nouvelles qui accablent aujourd'hui, ce n'est pas ça qui est important pour nous tendre. Lorsque les scientifiques disent que il y a un pourcentage très faible de monde qui atteint de coronavirus, c'est yo qui a besoin à l'hôpital, mais tout le monde qui senti yo ta gonti malaise qu'on y a là, yo senti yo prêt pour mourir. C'est parce que c'est mauvaise nouvelle seulement n'attendez. Mais je vous invite
à suivre l'idée de l'espérance au milieu du chaos. Et nous comprendrons que la maladie est capable de traiter à partir de ce que nous pensons, parce que c'est psychosomatique. Il faut penser à ne pas occuper notre esprit avec des choses négatives. Il faut revivre spirituellement. Qui est-ce capable d'aider que nous partager les meilleures informations à temps, juste pour capable soutenir le travail de la bonne nouvelle? Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés ou même qui a écouté de loin ou de près, je vous invite aujourd'hui à sortir de votre quarantaine spirituelle. Quelle que soit la forme de quarantaine qu'il y a, m'invite aujourd'hui à prendre engagement pour sortir de la quarantaine spirituelle. Il y a un chant très inspirateur au 271 des hymnes et louanges qui dit « Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner ?» L'idée qui nous pousse très loin de Dieu, c'est des fois le fait que nous limiter la grâce de Dieu. Nous limiter la capacité de pardon que Dieu a. Mais je vous invite aujourd'hui à accepter le pardon de Dieu. Tandis que nous pourrons prier le Seigneur en ce sens, c'est le temps que nous pourrons dire à Dieu. J'en m'y a, moi v'lé vin. Moi v'lé que vous prenez moi, et quand Jésus nous prend, nous sortons de la quarantaine automatiquement. Et quand nous sortons de la quarantaine, automatiquement nous sommes sauvés. Et quand nous sommes sauvés, nous nous trouvons bon de partager avec les autres un salut qui nous est si cher. Et reçu gratuitement. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Moi invite à chanter pour mes couples, chante ça avec moi. Tandis que nous allons prier le Seigneur en ce moment. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absolu si grand coupable et mes péchés oubliés. Le problème, c'est le péché. Et toute quarantaine spirituelle que nous connaissons, il y a un seul dénominateur commun, le péché. Et si nous avons sorti aujourd'hui, nous avons besoin de lutter avec le péché et faire une solution pour le péché. Et Jésus, c'est la solution. On fait confiance, on engage dans ce moment pour nous capables de joindre Jésus, Jean-Lié. Ou même qui a écouté et qui a participé comme ami, moi invite au capable de prendre le numéro de téléphone qui est affiché pour capable écrire un message et dire que tu as aimé remettre à Jésus. Ou reconnaître que tu es dans une quarantaine déjà classée spirituelle. Mais tu as aimé sortir dans le moment ça. Et même gens avec la femme samaritaine pour donner l'autre sens à la vie que seul Jésus est capable de porter. Dieu peut-il tout pardonner? Alors que je vais inviter pasteur pour vous émettre. La réussite est une prière spéciale. Jeudi a décidé de vous sortir de la quarantaine spirituelle. Et permettre que Jésus ne vous aime pas. Mais importe la distance que vous avez. Bye Jésus, possibilité ça, je dis. Je viens pour dominer la vie. Je viens, et permettre qu'il y demeure dans la vie. Je vais toujours inviter à nous concentrer dans le moment ça. Voyons une petite pause avec Jésus. Et pourtant, des voiles qui a parlé avec. Parce que bon, va prier. Et prier dans le cœur côté. Voyez un message ou à ce numéro qui est affiché. Et dit, ou t'as aimé remettre à Jésus pour bailler la vie complètement. Notre Dieu, notre Père Céleste, en ce beau jour de sabbat, nous comptons parce que nous te trouvons à tes pieds. Non seulement nous là pour nous tendre, mais pour nous pratiquer enseignement parole. Merci parce que tu mets tes serviteurs à notre disposition pendant cette période. Pendant que nous avons traversé des moments difficiles, différentes sortes de quarantaines te mentionnées. Mais nous voulons quoi? Présence nous ici et présence nous ailleurs en tant qu'auditeur de la 4VVE, en tant qu'internaute, nous sentis que vous touchez nous toutes. Si nous, dans le moment quarantaine, ça, c'est un moment de réflexion, de réparation de notre vie,
moment solennel côté pour nous toutes chercher réformer vie nous en ayant les regards sur Jésus et Jésus seul. Merci parce que tu permets serviteur là parler nous. Merci parce que vous permettez que nous prenions la décision pour nous abandonner le péché. Tout ça qui servit de barrière pour permettre de nous servir, je nous ai dû servir. Tout ça qui empêchait de nous prêcher ta sainte parole pour ramener au bercail des brebis égarées. Tout ça qui rend impossible le travail ça dans la vie nous. Pardon pour péché, nous type iniquité que nous commettons. Bagay que l'autre moun wè, lè yo gade yo, yo di, yo pa kapab servi bon Dieu à cause de nous. Permettre que, oh Dieu, à partir de message ça, nous prenons des nouvelles dispositions pour kapab servir. Ainsi, n'a pas des âmes dociles entre tes mains, des instruments dociles entre tes mains pour amener au bercail des brebis égarées. Fais-nous sentir ta sainte présence pendant la période ça. Pas quitter le passé sans effet dans la vie, nous, Seigneur. Tout exemple que vous prenez, c'est pour aider nous, pour nous prendre conscience du changement qui doit opérer dans la vie, nous. Nous comptons sur vous, Seigneur. Même Jean, où tu as fait pour l'autre autrefois, qui t'a senti la nécessité de venir se jeter à tes pieds, eh bien, nous voulons, aujourd'hui, et jetez-nous à tes pieds aussi, Seigneur. Fais-nous sentir ta sainte présence. Permettre que ces serviteurs-là qui parlent nous, sont capables toujours en mesure de le faire. Afin que, avant la fin de cette période, tout le monde qui est en devoir, que vous faites partie de ton troupeau déjà, que c'est à partir de ce moment, vous pourrez venir inscrire nous, pour marcher avec nous tout le temps, d'avoir des instruments dociles entre tes mains. Et que très bientôt, quand tu reviendras, tu nous trouveras prêts. Pas quitter un moment de. Mais moment ça a séparé, qui séparait nous, l'un avec l'autre, alors que nous pas ensemble, et dans le même lieu, dans le même temple, mais la caille nous, côté nous, dans un petit groupe, nous tous nous avons senti la nécessité de nous reconsacrer à toi. En tant exauce, pardonne, fortifie, permette que ta parole qui prononcée, Seigneur, capable de faire du bien à notre âme, la va amener nous jusqu'au bonheur éternel. Quand tu viendras pour dire, c'est bien bon et fidèle serviteur, nous serons du nombre. Au nom de Jésus, ton Fils, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Et nous vous invitons cet après-midi à être avec nous à 5 heures. Sors de ta quarantaine spirituelle et deviens un évangéliste pour Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, je suis sauvé, ô joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés. Capable bénir nous, que Saint-Esprit capable orienter nous, que grâce li capable couvrir nous, que Saint-Esprit bon Dieu capable mettre l'amour dans cœur nous, que li capable conduire nous prions comme ça dans nom Jésus. Amen. Que l'éternel nous
espérance au milieu du chaos. Lisez un impératif pour nous obéir à l'autorité. Lisez une obligation tout pour nous continuer à servir bon Dieu. Monde l'en bouleversé. Un petit merci à tout le monde qui était là, Kayo. Tu as une chance pour brancher nous sur Radio Espérance et sur l'autre chaîne. Nous avons excusé nous pour tout inconvénient qui gagne. Inconvénient pas nécessairement dépend de nous. C'est dans le monde qui a fou de nous internet là, il y a un lec international qui tombe. Et malchance, c'est dans la donne nous. Nous disons malchance parce que moi, je ne parle ni bonne chance, malchance parce qu'avec le chrétien, et tout va toujours bien. Donc alors, il semble que dans juste dernière minute là, il finit par résoudre le problème nous. C'est ça que nous connaissons que l'autre a fait pour qu'il a passé et puis qu'on y a, il recommence. Mais on a redoublé d'ardeur, de vigilance de la prière. Et premier saut par saut, on a pris toutes les dispositions pour nous capables de recommencer. On fait encore, excusez-nous, tout ça qui passe. Le programme n'est pas confiné. Je dis à son jour de jeûne et de prière. Nous prenons sûr que tout programme est enregistré la CAENO. Quitte pour nous capables de remettre ce que tu as fait sur les ondes, de façon que pour les gens qui ne peuvent pas bénéficier de messages là, et capables de bénéficier, c'est ça que nous allons essayer de planifier dans l'autre moment là. Une fois encore, excusez-nous et nous gardons l'esprit du sabbat et l'esprit de prière. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Avec Jésus, nous aurons la victoire. Merci beaucoup. Espérance au milieu du chaos. Lisez un impératif pour nous obéir à l'autorité. Lisez une obligation tout pour nous continuer à servir bon Dieu. Monde l'en bouleversé, tout le monde peut. Pendant nous rester la caille nous, et dans l'idée pour permettre de rester toujours connecté avec Seigneur, c'est un espace qui ouvre pour que dans la parole bon Dieu, nous trouvions une raison pour nous vivre. Nous invitons à suivre Radio Voix d'Espérance, 89.7 FM Stéréo, 4VVE.org, YouTube, Radio Voix d'Espérance 4VVE, ak sou image.org, Op Media Haïti, rete branché pour nous mouka béni. Du 28 mars au 18 avril 2020, de 5h à 6h30 p.m. Le thème retenu, espérance au milieu du chaos. Ou pas pour regret. Bonjour et bonsoir, vous qui nous suiviez sur toutes les plateformes de Hope Media, soit sur Facebook, à travers la page Facebook de la Fédération, ou à travers la page de la radio, la page de Hope TV, Hope Channel, et la page de MODH et toutes les autres plateformes qui transmettaient le programme de culte en direct depuis l'auditorium de la radio Espérance. Nous avons avec nous le pasteur Edgar Etienne, qui est secrétaire exécutif au niveau de la FEDCHAS, et c'est lui le conférencier de cette série pour la campagne. Pasteur Edgar, bonsoir. Bonsoir, frère Félixon. C'est un plaisir pour nous avec vous. Plaisir partagé. C'est la première fois de la vie de l'Église en Haïti, côté nous avons une campagne qui prêchait entièrement en ligne. Comment vous vivez l'expérience ça? Bon, c'est excitant. C'est aussi une campagne, nous imaginons que nous pouvons avoir un témoignage à vrai, parce que nous avons dit tout le bagage, mais nous croyons que bon Dieu est venu. Et si je dis à nous prêcher, nous devons quitter bon Dieu et canaliser. Parce que le patron tête nous 15 jours de cela. Et bon Dieu, ramener l'idée à l'école. Et qu'il est capable de faire beaucoup plus que ça ne t'a imaginé qu'il était capable. L'espérance au milieu du chaos. Nous sommes en situation de crise mondiale et même les chrétiens sont touchés et même au niveau de l'Église adventiste, nous avons des morts. Qui raison, au moins deux raisons, nous avons pour espérer dans la situation à vivre là? Première raison, c'est que bon Dieu assure nous lorsque nous traversons ces moments difficiles avec nous. Il va dire nous avons retiré dans les moments difficiles, mais nous avons traversé avec nous. Et là, nous gagnons l'idée de ce repos spirituel qui dit ne pas peur, même si nous avons traversé ces moments difficiles. Et deuxième raison, c'est que bagaille ça rien pour finir. Souffrance, là, je dis, elle est là, elle est limitée. Jésus a retourné. Et là, Jésus tourne, nous ne pouvons jamais rencontrer bagaille ça encore.
raison première qui ponctuelle pour nous. Nous avons traversé un moment difficile avec bon Dieu. Nous sommes capables de choisir de ne pas quitter l'avancée. Nous sommes capables de quitter de continuer tout. Mais nous sommes stables. Mais de l'autre côté, tout ça qu'a fait, il est pour finir. Parce que Jésus a retourné très bientôt. Merci, pasteur, de nous rappeler que Jésus revient bientôt. Troisième et dernière question. Nous connaissons confinement, l'époque totale en Haïti, ni obligatoire, quoi que c'est recommandé. Est-ce que si yon moun kap suiv nous en ligne, t'as remé baptisé nan moment ça là, li vle rejoindre la foi, c'est l'alliance avec Christ, est-ce que ça possible, attendu que confinement poko obligatoire en Haïti? Par rapport au risque qui gagne, toute précaution que nous prenons, au point que l'église yon pas ouvri porte yon, bâtiment yon pas ouvri, l'église a fonctionné, bâtiment yon pas ouvri. Nous pas recommandé à le faire battre. Mais nous avons garanti que, comme le larron sur la croix, Jésus l'a sauvé sans qu'il ne fasse le baptiser. Cela veut dire que les candidats qui ont rassemblé, nous sommes sûrs que le temps de leur baptême va venir bien vite. Ça veut dire que nous avons besoin d'un candidat au baptême. Et nous avons les numéros qui sont disponibles, qui sont capables d'écrire pour dire qu'ils veulent baptiser. Nous avons les emails qui sont disponibles pour dire qu'ils veulent baptiser. Depuis au prêt pour baptiser, n'a travaillé avec eux et au moment opportun à recevoir le baptême. Le bout de la fin. Ah ben nous inviter tout le monde qui a gardé nous là pour partager lien ça lien qui pour programme là pour à plus monde possible. Il y a plus monde qui a profité de moments difficiles pour faire scoop. Pour dire tel leader religieux fait ceci fait cela. Nous pas capote parole ça ne pas vler. C'est pour une porte parole ça dans mission nous. Partager message sous page nous au lieu que n'a partager vieille nouvelle a ébranler moun avec des informations qui pas gagner d'authentique mais nouvelle qui authentique là c'est dit Jésus a retourné c'est li n'a fait là partager dit tout le monde chaque jour 5h après-midi pour 6h30 participer avec nous sur Radio Espérance Radio Espace Télé Espace Op Media Haïti et MEODH à toute page Facebook yo qui relaye programme ça partager avec amis nous. C'est sa mission, nous connaît. Merci à chacun de vous qui nous suiviez. Merci de partager ce message. Merci de partager l'espérance au cœur du chaos. Espérance au milieu du chaos. Lycée un impératif pour nous obéir à l'autorité. Lycée une obligation tout pour nous continuer à servir bon Dieu. Modelant bouleversé, tout le monde peut. Pendant nous rester la caille, nous. Et dans l'idée pour permettre de rester toujours connecté avec le Seigneur, c'est un espace qui ouvre pour que dans la parole de bon Dieu, nous trouvions raison pour une vie. Nous invitons à suivre Radio Voix d'Espérance, 89.7 FM Stéréo, 4VVE.org, YouTube, Radio Voix d'Espérance 4VVE, et sur Image.org, Op Media Haïti. Restez branchés pour nous mouka béni. Du 28 mars au 18 avril 2020, de 5h à 6h30 p.m. Le thème retenu, espérance au milieu du chaos. Ou pas pour regrette.